Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoAstro TV. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de rencontrer le glaciologue français Claude Lorius. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Claude Lorius est un des premiers scientifiques à se rendre en Antarctique pour faire des recherches scientifiques. Grâce à ses recherches, il est aussi le premier à constater que l'être humain commence à modifier le climat sur notre belle planète à cause de ses émissions de gaz à effet de serre. Si Claude Lorius est actuellement ici à Neuchâtel, c'est pour présenter en avant-première le film « La glace et le ciel » que le réalisateur Luc Jacquet lui a consacré. Monsieur Lorius a eu la gentillesse de me recevoir à cette occasion. Et c'est cette interview que je vous propose de regarder tout de suite. Avant de commencer cet entretien, je vais vous donner quelques infos sur notre invité du jour. Claude Lorius est né en France à Besançon le 27 février 1932. Il a donc aujourd'hui 83 ans. Il a fait des études supérieures de physique et c'est en 1957 qu'il part pour sa première mission en Antarctique. Durant sa carrière, Claude Lorius aura participé à 20 expéditions polaires pour un total de 10 ans passés dans ces contrées hostiles à la vie humaine. Claude Lorius, bonjour. Bonjour Océane. Bienvenue à Neuchâtel. C'est gentil, je me sens bien ici. Comment vous est venue l'envie d'étudier les glaces des pôles de notre planète? D'abord, je n'avais pas ça en tête quand je suis parti. Je voulais vivre une aventure. C'était pour vivre un an là où il n'y avait personne. C'était au bout du monde et voilà, c'était pour moi une aventure. Quand on est jeune, des fois, on a envie de partir pour une aventure. En quoi consistait votre travail sur place? Le travail sur place, la première année, d'abord, c'était de se protéger du froid. Ça, c'était le plus important. Après, on a commencé à mesurer la température qu'il faisait dans l'air, à mesurer combien il tombait de neige, et puis comment la neige se transformait avec la profondeur en glace. Voilà, on a un peu fait tout ça. Et puis, la chose qu'on a découverte, c'est que quand on met un morceau de glace, tout au moins la glace de l'Antarctique, dans un whisky, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des bulles d'air dedans. Et alors là, c'est le début d'une réflexion dont on a vu que la glace nous donne le climat, les bulles d'air nous donnent la composition de l'atmosphère et une histoire qu'on écrit sur des milliers et des milliers d'années uniquement en faisant ces analyses. Votre première expédition a duré une année dans la petite station Charcot, où vous étiez avec deux autres scientifiques. Quelle a été l'ambiance entre vous? Car une année, c'est long. Fort heureusement, d'abord, on n'avait pas pris n'importe qui. Donc, il y avait une sélection. On avait fait attention, je crois, aux caractéristiques de ceux qui voulaient partir. Et il y avait un ancien, un sage, qui avait déjà vécu beaucoup de choses, et deux jeunes qui avaient le même âge. Et l'ancien, il a bien servi, parce que des fois, quand on commençait à s'énerver un petit peu, à tricher aux cartes, tout ça, non, l'ancien, il était là, il ramenait tout ça à notre niveau. Nous étions ensemble, nous vivions ensemble, il fallait nous comprendre. Mis à part le froid et la neige, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur place? On parle toujours du froid et de la neige, mais il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est le vent. Le froid, même s'il fait moins 40 et qu'il n'y a pas de vent, ça se supporte. Quand le vent souffle, le blizzard, alors là, c'est infernal. L'autre aspect marquant là-dedans, c'est que quand même, il y a l'été et l'hiver. Et que pendant l'hiver, on est des mois sans voir le jour. On voit juste la lune, ou les étoiles, ou les nuages. Pas de soleil. Pourquoi avoir plus étudié l'Antarctique que le Groenland ? Le Groenland, je suis quand même allé, puis il y a des gens qui avaient fait des choses. Je me suis un peu formé là-bas.
L'Antarctique, c'est que ben, on n'avait pas fait du tout ce genre de recherche. Et puis, une vraie aventure, c'était quand même l'Antarctique, par rapport au Groenland, où il y a eu de belles choses de faites et où on peut aller, bien sûr, plus facilement. Non, moi, c'était l'aventure, partir dans un endroit où il n'y avait pas de téléphone, de communication, j'allais être tranquille. Comment vous est venue l'idée qu'il allait être possible de connaître le climat qu'il faisait sur notre Terre, il y a des centaines, voire des milliers d'années en arrière? Ben, l'idée que la glace enferme la mémoire du climat, on a compris ça uniquement une fois qu'on est revenu et qu'il y a eu des analyses faites dans les laboratoires. La glace, c'est de l'eau, il y a des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène, et les différentes sortes d'atomes, eh bien, on arrive à convertir ça en température, et donc en changement de température. Pour la composition de l'atmosphère, ben oui, la neige tombe, elle se densifie, elle se transforme en glace, et elle a enfermé dans cette glace des bulles d'air de l'atmosphère qui nous racontent quelle était l'atmosphère il y a 1000 ans, 100 000 ans, ainsi de suite. Ça fait beaucoup d'analyses, hein, tout ça. Mais moi, je ne faisais pas beaucoup d'analyses, j'amenais des échantillons, puis il y avait des gens bien plus doués que moi pour faire les analyses. Hein. C'est grâce à ces études que vous êtes rendu compte que les humains étaient en train de changer notre climat? Oui, bien sûr, en voyant simplement que les variations climatiques étaient liées au soleil, mais aussi à la composition de l'atmosphère, et qu'en ce moment, l'homme, ben, il intervenait fortement dans la composition de l'atmosphère, avec ses émissions de gaz à effet de serre, comme on dit, qui sont liées à nos voitures, à nos industries, à tout ce qu'on veut, à beaucoup de choses en tout cas. On change le climat, oui. Vous êtes le premier scientifique à avoir tiré la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Comment cette nouvelle, à l'époque, a été prise par les autres scientifiques? Bon, d'abord, on dit toujours, vous êtes le premier, vous êtes le seul. Non. Tout seul, on n'arrive à rien. Donc, d'abord, j'ai toujours travaillé avec des gens qui voulaient voir avec moi comment ça se passait, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre. Donc, j'étais pas tout seul, parce que tout seul, on n'arrive à rien. Moi, ce que j'ai fait de plus important, c'est de ramener les échantillons. Après, il y a des gens qui savaient beaucoup mieux que moi analyser ce qu'il y avait dans la glace. Voilà, donc finalement, là aussi, il faut travailler en équipe. Soi-même, on ne peut pas tout faire. Le 21e sommet de la Terre aura lieu dans quelques semaines à Paris. La COP21 sera certainement la dernière chance pour empêcher les températures de monter en dessous de 2 degrés. Comment sentez-vous cette COP21? Êtes-vous toujours optimiste? Ben, disons que j'ai été très pessimiste, que je suis redevenu un peu optimiste, simplement en entendant les déclarations de ceux qui nous gouvernent. Le président de notre République en France, il dit que le climat, c'est important, c'est un problème, il faut s'en occuper. Aux États-Unis aussi, en Angleterre, toutes les grandes personnalités politiques disent que le climat, c'est important pour le futur de l'homme. Alors j'espère que ça va effectivement se traduire par des prises de décision. Par exemple, rouler moins en voiture, ne plus émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ainsi de suite. Il reste à le faire. Que va-t-il se passer si les négociations échouent à nouveau? À mon avis, elles ne vont pas échouer. Il y aura toujours quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas grand-chose. Et ensuite, ce sont des décisions faites au niveau des politiques. Il faut encore ensuite qu'on les mette en pratique.
chacun dans son pays. Et ça, quand vous allez dire halte à la consommation de l'essence par les voitures, bon, ça ne va pas se faire tout seul. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de vos missions ? Le plus beau souvenir, peut-être, ce sont ces aurores, quand il y a des mois de nuit, ces étoiles et ces aurores que l'on voit dans le ciel. Ça, évidemment, c'est quelque chose que je n'ai pas revu ailleurs et qui sont bien, bien dans ma tête et dans mes souvenirs. Pour en venir au film La glace et le ciel, comment s'est passée la rencontre avec le réalisateur Luc Jacquet ? Réalisateur, c'est le chef du film, hein. Bon, ça s'est passé très bien, on s'est rencontrés là où je faisais une présentation. Il avait lu un livre sur, ça s'appelle l'Anthropocène, ça veut dire l'impact de l'homme justement sur l'environnement. Et il m'a même trouvé en me disant simplement, Claude, je voudrais faire un film avec toi. Alors, t'aurais dit non toi, si on avait demandé de faire un film avec toi? Ben moi, j'ai pas dit non. Ça a été formidable. Et j'espère que tu as aimé le film. C'est pas le mien, c'est celui de Luc Jacquet. Pour les besoins du film, vous avez dû retourner en Antarctique. Qu'est-ce qui a changé depuis votre dernière présence là-bas ? On voit des choses qui ont changé un petit peu dans les régions côtières, là où il y a des animaux, des espèces, effectivement, qu'on voit en train de disparaître ou de ne plus venir là parce que le climat a commencé à changer. Mais on ne s'aperçoit pas du tout qu'il y a un bouleversement aussi important. Ou bien que la glace fond un peu, mais... Et puis c'est pas en venant comme ça une fois, même si vous passez un jour, un mois, six mois. Non, vous allez voir l'été et l'hiver, et pas vraiment le changement qui se passe avec le temps. Qui a choisi le titre du film ? Ah mon Dieu ! Je vais dire que c'est Luc, c'est son film. Donc normalement, de toute façon, c'est lui qui a dû en décider. Moi, j'ai beaucoup aimé tout de suite, parce qu'effectivement, la glace et l'ouverture vers le ciel, c'est fantastique, voilà. Pour donner envie à nos internautes d'aller voir le film, je vous propose de regarder la bande-annonce. Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate tristement que l'histoire lui a donné raison. Il était une fois un jardin, une terre fertile et généreuse, où la vie allait de soi. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. «
Est-ce qu'il y a eu des moments pénibles durant le tournage ? Durant le tournage, oui, bien sûr, il y a toujours des moments pénibles parce que... Mais ce sont des moments, c'est pas comme quand tu es là-bas tout seul pendant un an. Ce sont des moments. Oui, il faut que tu aies l'air d'avoir froid. Bon, alors, on t'habille pas trop. Ensuite, on te met dans l'eau. Et dans l'eau, il fait pas chaud pour faire voir que l'océan monte. Alors, tu es dans l'eau, puis l'eau qui monte petit à petit. Donc oui, il y a des moments un peu pénibles, mais ça va, on survit. Est-ce que le film sera diffusé à Paris pour la COP21? Moi, je pense que oui. Le film, il va sortir dans les salles, là, et puis certainement, il sera là à la COP21. Mais c'est pas moi qui fais la diffusion du film, t'as bien compris. Bon. Luc Jacquet a fait un énorme travail avec son équipe pour retrouver des archives vidéo pour insérer dans le film. Qu'est-ce que cela vous a fait de vous revoir à ces différentes périodes de votre vie lorsque vous avez vu le film pour la première fois ? Ben, c'est sûr que moi, j'avais effectivement quelques images, mais voir l'ensemble du film, pour moi, c'était une découverte. Par exemple, si tu veux, comment il allait trouver des images chez les Américains, chez les Russes, pour présenter des moments. Moi, je n'avais pas ça. Donc, je trouvais que c'était merveilleux, les sources où il avait été chercher les images. Et puis, même mes images à moi, il les a un petit peu retravaillées. Hein. C'est pas assez net, là, je ne sais pas quoi. Moi, bon, on bricole. Mais c'est drôlement bien, ce bricolage. Pour vous, quel est le moment fort du film ? Le moment fort du film, pour moi, c'est la conclusion. C'est la fin. Et j'ai toujours du mal à le quitter. J'ai beaucoup d'émotions, un petit peu, deux, trois larmes. Voilà. C'est là. Une dernière question pour finir cet entretien. J'ai vu dernièrement sur Internet un clip de la NASA qui annonce que la superficie de la glace en Antarctique avait augmenté en 2015. Comment est-ce possible ? Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. C'est vrai qu'il y a deux sortes de variations. C'est ce qui peut varier d'une année à l'autre, parce que cette année-là, il y a eu un peu plus de neige ou il a fait un peu plus froid. Oui, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est dans le temps, comment ça bouge. Et ça, on sait que ça recule. Eh bien, merci beaucoup, Claude Lioris, de m'avoir accordé cette interview. Ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir rencontré et je vous souhaite encore plein de belles choses pour la suite. Eh bien, ces quelques mots me font beaucoup de plaisir. C'est assez rare qu'on soit interviewé par une journaliste de ton âge, de ta gentillesse et de ta compréhension. Merci à toi.